Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux pour suivre cette petite intervention. 30 minutes chrono, promis, on a essayé d'être concis, efficace, pour parler d'événementiel, un univers passionnant, devenir un expert en événementiel. Je suis Sébastien Gilles, le directeur des admissions de lycée sur le campus de Lyon. Je sais que vous nous regardez de la France entière et je suis très bien accompagné ce soir. Je vais vous présenter dans quelques instants mon invité. Mais petit rappel, pour ceux qui ont déjà suivi certaines de mes interventions, nous allons procéder aussi sur forme d'échange. Et n'hésitez pas à composer ce numéro, le 06 45 28 01 79, si vous souhaitez avoir des rendez-vous personnalisés, notamment avec Constance, qui est derrière ce numéro, qui est actuellement sur le salon Studierama, pour vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas à la solliciter, elle se fera un plaisir de vous renseigner. Je le disais, je suis bien accompagné ce soir, puisque je suis avec Jamila Kala, la directrice commerciale de G-Active. Bonsoir Jamila, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jamila Kala, je suis la directrice commerciale d'un groupe de radio à Lyon qui possède 11 marques radio, des plus prestigieuses. Mais j'ai fait aussi toute ma carrière dans la communication puisque après être passée chez Publicis une petite quinzaine d'années, je suis arrivée chez Lagardère Média où je m'occupais de la presse magazine, des radios et des télévisions du groupe. Puis ensuite, j'ai créé ma propre société de conseil en communication. Et enfin, j'ai rejoint le groupe Espace Group et ses 11 radios. Et l'événementiel a été un domaine très important dans ta carrière. Alors, voilà, les médias, vous l'avez compris, et l'événementiel qui est une de mes spécialités et que j'aime beaucoup. Et on va en parler justement, c'est l'objet avec de notre plaisir, intervention avec plaisir ce soir. Alors, devenir un expert en événementiel, on va parler formation, on va parler métier, on va parler compétences et on va parler également qualité, des qualités qu'il faut absolument avoir pour être dans ces univers-là. Puis on va vous donner nos conseils. Alors, on me fait signe dans l'oreille qu'il faut qu'on parle un peu plus fort, donc on va parler plus fort. Ok. Voilà. Alors, conseil numéro 1 pour être un pro de ces univers de l'événementiel, commencez tout d'abord par maîtriser le marketing et la communication. C'est des fondements importants. Jamila, quel est ton sentiment sur cette information-là, ce conseil-là? Alors, ce conseil, il est plus qu'avisé, puisque finalement, l'événementiel fait partie, c'est un des moyens de communication. Donc, il fait intégralement partie de la stratégie de communication. J'ai d'abord les bases marketing, bien entendu. Ensuite, je monte ma stratégie de communication et c'est à l'intérieur de ma stratégie que je vais choisir éventuellement de créer un événement. Donc, c'est bien un moyen de communication qui s'insère au sein d'une stratégie. Donc, avant de faire de l'événementiel, on fait du marketing, on fait de la com, on l'a compris. Et c'est ce qu'on vous propose dans le programme de l'ISEG, avec notamment un premier cycle qui est généraliste autour de toutes les compétences en marketing, en communication, en digital, en média. Vous allez vraiment apprendre toutes ces compétences-là de manière très large, pluridisciplinaire, afin d'avoir un maximum de compétences généralistes pour pouvoir répondre justement aux besoins et aussi finalement trouver votre voie. À l'ISEG, on propose également sur nos premiers cycles ce qu'on appelle des majeurs pour augmenter votre sensibilité, soit en création, soit en digital, soit en international, puisqu'en com et en événementiel aussi, l'international, la maîtrise des langues est très important. Je pense qu'il n'est pas nécessaire forcément de le souligner. Donc voilà, une approche pluridisciplinaire sur ce premier cycle. On va toucher à tout, maîtriser le marketing et la communication, bien sûr aussi faire de l'événementiel, ça va de pair, mais vraiment avoir ce socle de compétences fondamentales au démarrage. Conseil numéro 2, profitez des premières années pour vous tester via les stages en entreprise. Forcément, ça permet de voir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Alors, c'est extrêmement important puisque finalement, c'est la pratique de ce que vous allez apprendre et au sein des entreprises dans lesquelles vous allez faire des stages, donc sur cette spécialité événementielle, vous allez toucher du doigt ce métier-là et surtout voir si cela vous plaît ou si cela ne correspond pas tout à fait à ce que vous aviez envisagé. Donc, c'est vraiment là, on touche du doigt vraiment le métier au cœur de l'entreprise, agence événementielle ou chez un annonceur directement. On a donc le droit de faire des erreurs quand on fait un stage à démarrage. Oui, bien sûr. D'abord, un stage, le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Sébastien, c'est justement une formation. Donc, profitez de ces stages pour justement essayer d'ailleurs de faire des stages dans des univers un peu différents pour justement voir ce qui vous plaît le plus et ce qui vous correspond le plus.
Et donc les stages, forcément, dans une école qui vous forme au métier de l'événementiel, c'est très important dès la première année. C'est ce que l'on propose également à l'ICEG. Notre mission, c'est de vous accompagner vers l'emploi avec des entreprises partenaires. Alors les chiffres ici, ce sont les chiffres lyonnais avec 2000 entreprises qui nous font confiance. Des services, relations entreprises, accompagnement au sein de chacune de nos écoles présentes dans nos 7 campus en France. Des outils d'aide à la recherche performant pour vous aider à trouver des stages, des missions en alternance, bien entendu des jobs, puisque l'école finalement ne s'arrête pas au bac plus 5, hein, vous êtes diplômé d'une école à vie et vous pouvez faire appel à votre école après même la sortie de diplôme, ça c'est très important. 90% d'embauche dans les 3 à 6 mois et un coaching personnalisé, on travaille avec beaucoup de coachs certifiés dans nos écoles pour vous aider à aller progressivement vers l'emploi. C'est très très important comme démarche de suivi et d'accompagnement. Hop, je reviens en arrière. Voilà, conseil numéro 3, placez le digital au cœur de vos études. C'est devenu vraiment incontournable aujourd'hui dans les métiers de l'événementiel, n'est-ce pas? Alors, incontournable plus qu'incontournable, c'est-à-dire que vous le savez tous, puisque vous êtes de cette génération digitale ou numérique, en communication, c'est un moyen de communication, finalement, on parle de médias sociaux par exemple, et notamment en événementiel. Quand on crée des événementiels, et cela arrive de plus en plus souvent, c'est pour avoir du buzz derrière, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Et quoi de mieux que le digital pour créer le buzz autour d'un événement? Exactement, et on a appris à travailler différemment, forcément. J'ai une question notamment, comment se passent les stages en ce moment? Forcément, on a ouvert un petit peu notre champ d'action sur les stages en entreprise en acceptant des missions un peu plus transverses, mais les stages ne s'arrêtent pas avec cette crise sanitaire. On a comme l'obligation de former nos étudiants de A jusqu'à Z et le stage entreprise est un élément important. Donc, il y a une pérennité des stages malgré le contexte actuel. Alors, le conseil numéro 3, donc le digital central forcément. Et dans nos écoles, on vous propose d'avoir accès à un maximum de compétences digitales. Ça va par des semaines événements comme on a l'occasion de faire sur les Digital Days, où pendant une semaine, vous avez des professionnels de tout domaine de l'écosystème du digital qui viennent parler de leur expérience, parler d'univers en particulier, intervenir sous forme de workshop. On a également en première année un Summer Code Camp qui permet aux élèves de première année de découvrir l'univers du code, l'univers du langage HTML, PHP et bien d'autres, en synergie avec une de nos écoles qui fait partie de ce campus dans lequel on est d'ailleurs aujourd'hui à Lyon, qui est Epitech. Et Epitech, j'en parle troisièmement également sur un autre projet qui s'appelle la Project Week. Alors là, c'est notre bébé à l'ICEG, c'est un super projet qui a lieu en troisième année puisque c'est un projet qui associe les compétences des étudiants ICEG, donc futurs pros du marketing, de la com, de l'événementiel, et les étudiants d'ArtSup, des futurs graphistes, des futurs créatifs, et les étudiants d'Epitech, des futurs pros du développement informatique. Vous l'aurez compris, ces trois compétences en entreprise travaillent ensemble tout le temps. Et on a la chance d'être régulièrement challengé par des grandes marques pour pouvoir proposer de répondre à des briefs concrets et réels et leur trouver des solutions. Ça a été le cas en 2018 avec Sony Music, en 2019 avec France Télévisions Publicité, en 2020 avec Nike. Et cette année, on a la chance, dès lundi, de travailler avec la marque Mugler. Et je vous invite à suivre notre actualité, surtout sur les réseaux sociaux, Instagram et bien d'autres, puisque vous allez pouvoir voir et suivre en direct l'évolution des travaux de nos étudiants pour la marque Mugler dès lundi. Donc le rendez-vous est pris, je compte sur vous pour nous ajouter sur vos différents réseaux. Conseil numéro 4, choisissez un parcours de second cycle Bac plus 4-5 avec une expertise pointue en événementiel, donc là, devenir expert. Oui, alors on a parlé tout à l'heure des bases qu'il faut avoir, marketing, communication, ces trois premières années, où on acquiert donc ces bases stratégie de communication globale. Et là, on va se spécialiser puisque, en fait, quand on est après, quand on cherche du travail, et nous, les entreprises, quand on recherche des candidats, on va vouloir des personnes qui sont formées complètement et surtout spécialisées, notamment en événementiel, puisqu'on parle de ça aujourd'hui. Mais ces deux dernières années, et les stages aussi que vous allez faire pendant ces deux dernières années, qui vont vous permettre de vous spécialiser. Et clairement, c'est très très important pour nous, entreprises. L'événementiel est un moyen de communication qui coûte quand même beaucoup d'argent aux annonceurs, donc on ne peut pas se tromper. Donc il faut qu'on ait des professionnels en face. Et c'est pour ça qu'on vient chercher des professionnels, ceux qui sont allés en spécialisation jusqu'au bout de leur spécialisation.
Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont pu voir si l'événementiel leur plaisait. Bah déjà, pendant les 4 années précédentes. Les 3 premières années. Et après, ils ont décidé de le transformer en métier. Donc, il y a une vraie progression, finalement, dans le projet professionnel. Voilà. Donc, ça, c'est important. Quand ils arrivent, notamment, dans des structures comme la tienne, ils sont plutôt bons, de ce que j'ai entendu. Oui, ils sont plutôt bons. Enfin, j'ai jamais eu de mauvaises surprises. Travailleurs et surtout avec une vraie passion qui les anime. C'est ça qui est important aussi. Et quand on a la passion, c'est tellement plus facile. On l'abordera, je crois, un peu plus tard, mais oui. En effet, la passion, c'est un dénominateur commun important. Alors, comment on l'appréhende dans nos parcours à l'ICEL ? Vous avez vu un premier cycle généraliste en marketing communication et la possibilité de vous lancer pleinement dans un MBA d'expertise en événementiel et relations publiques sur notre second cycle, donc Bac plus 4-5. Avec un diplôme, bien entendu, qui est certifié par l'État à niveau 1, niveau 7 Europe aujourd'hui. Et ce MBA se déroule sur 2 phases. La première phase, au début de la 4e année, nos étudiants ont un cursus intensif de formation école de 3 jours pendant un semestre, de septembre à décembre, où ils peuvent acquérir un maximum de compétences. Et ils sont ensuite sur un cycle alterné à partir de janvier de l'année N jusqu'à août de l'année N plus 1. Donc, ce rythme et ce cursus intensif où l'alternance, bien entendu, est possible avec un contrat, d'apprentissage, les étudiants sont 4 jours par semaine plein en entreprise et 1 jour à l'école, plus une semaine tous les 2 mois au sein du campus également. Donc, vous voyez, c'est vraiment une intégration assez importante en entreprise, un format également qui plaît énormément à nos partenaires dans l'événementiel. Puisque... Vraiment, oui. Vraiment parce que, moi, je dois vous dire, pour ceux que j'ai déjà eu de l'ISEG et encore quelqu'un aujourd'hui, on a vraiment l'impression que la personne fait partie intégrante de l'entreprise. Et finalement, un vendredi, enfin un jour par semaine, on ne s'en rend pas compte. Et surtout, c'est ce qui permet d'aller jusqu'au bout d'un projet. Quand on fait des 2 jours, 3 jours, etc., c'est coupé en 2, on revient dans l'entreprise, ça va très vite dans la communication et encore plus dans l'événementiel. Et on revient, le projet a été bouclé en l'absence. Alors que là, c'est parfait. 4 jours en entreprise, c'est parfait. Voilà, donc c'est cette progression que l'on essaie de mettre en place dans nos parcours. Alors, comment se déroule le cycle ? J'ai souhaité vous montrer les différents types de compétences, de séminaires qu'il y avait sur ce parcours en 4e et en 5e année. Important déjà de connaître l'objectif de ce MBA, hein, c'est tout simplement vous former à l'élaboration de stratégies aux outils de la communication événementielle et des relations publiques, bien sûr, pour les marques et les institutions. Donc, vous apprendrez bien sûr à créer d'événements, à gérer l'image de marque d'une entreprise, de bâtir des relations publiques externes, internes, et piloter, bien sûr, la réputation de l'entreprise on et offline. Alors, on parle beaucoup de digital, mais c'est tellement important aujourd'hui. Donc, vous voyez toute une typologie de matières et d'enseignements. Bien sûr, comprendre l'environnement juridique et la réglementation de l'événementiel, hein, c'est important. J'aurais pu mettre en avant aussi l'aspect budgétaire, très important également dans les cours. Tout ce qui va être conception, rédaction, tout ce qui va être marketing d'influence, tout ce qui va être la conception et la mise en œuvre de A à Z d'un événement, tout ce qui va être le pilotage de projet, etc., etc. La com politique aussi, hein, important, hein, quand on va faire de l'événementiel. Et oui, de l'événementiel ou des relations publiques. Exactement, voilà, tout à fait. Et aussi une mise en situation sur des projets. Hein, on a des semaines projet qui permettent vraiment de mettre en application ce que l'on voit au sein de l'école. Et je crois que, Jamila, tu as travaillé avec des élèves de l'ICEG sur un projet en événementiel. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, on en a fait plusieurs, mais il y en a un qui me tient à cœur parce qu'il a une fin très, très, très heureuse. Il s'agissait de la marque Mini, donc la marque automobile Mini. L'annonceur est venu ici à l'ISEG avec une problématique de communication, comme on le dit dans notre jargon. Et l'idée, c'était de mettre en avant la nouvelle Mini et de l'inscrire au sein de la collection Mini. Il y avait déjà une dizaine de Mini qui étaient sortis. C'était le nouveau modèle. Et les étudiants ont travaillé en mode projet, donc en groupe, façon agence. De pub ou agence événementielle, et ils ont présenté leur projet au bout de 48 heures, au bout d'une semaine à l'annonceur, la responsable communication de la marque Mini, et le groupe qui a gagné, ils ont monté en fait un roadshow, donc une tournée avec des anciennes Mini, et c'était de montrer l'évolution de Mini depuis l'origine, en fait, jusqu'à la Mini d'aujourd'hui, avec ses différentes motorisations. Et pour cela, ils avaient invité des clients à venir avec leur Mini,
ancienne mini ou nouvelle mini, pour faire un roadshow dans la ville de Lyon et se retrouver autour d'une tasse de thé pour faire un breakfast à l'anglaise, etc. Et c'était vraiment une très très belle idée qui a beaucoup plu à l'annonceur. Donc cette idée a été mise en place, donc en vrai, en réel. Et les étudiantes qui avaient mis en place ce projet, qui avaient gagné donc ce concours, se sont vues offrir un stage chez Mini. Et la belle fin, c'est qu'aujourd'hui encore, dans le groupe Mini, il n'y a pas que Mini, il y a BMW et il y a aussi Ferrari, Maserati. Et l'une des stagiaires, des étudiantes de Diseg, est encore aujourd'hui, parce qu'elle a été recrutée par la marque et elle travaille à la communication de Maserati, Ferrari. Belle success story. Ah, mais c'est magnifique. Beau projet. Oui. Bon, merci en tout cas pour ce retour, j'espère que ça vous passionne. J'ai vu certaines questions qui arrivent, ne vous inquiétez pas, on va répondre au fil de la présentation. Voilà pour la quatrième année. On va enchaîner donc ensuite sur la dernière année du parcours, avec toute une typologie également de matière. On va crescendo avec des enseignements qui sont vraiment distillés par des pros des compétences que vous avez sous les yeux, donc conception, rédaction d'un projet événementiel, production et logistique d'un événement très très important également. Le côté international aussi de l'événementiel que vous allez voir avec une certaine partie des cours bien sûr en anglais, tout ce qui va être stratégique et relations presse, relations presse 2.0 également. Tout ce qui va être autour du live, on a énormément entendu parler des lives en ce moment. Le live, c'est un des recours aujourd'hui aux problématiques que connaissent ces structures en événementiel. Donc, ça fait partie intégrante également, bien entendu, du parcours de formation qui se termine par ce que l'on appelle un projet de fin d'études. Et ce projet de fin d'études, tout simplement, on vous demandera de trouver une idée innovante et vous aurez à l'élaborer pendant 2 ans et trouver, monter un projet en fait qui va comprendre la présentation du concept, son positionnement et également la mise en place du plan d'action. Alors par exemple, j'en ai noté un d'idée de projet de fin d'études, la création d'un cinéma qui permettrait et qui serait exclusivement réservé à la retransmission d'événements sportifs avec tout ce qu'il y a autour, donc un concept qui a été proposé par un de nos élèves. Voilà. Donc, il y a plein d'autres idées. Il y a surtout les futures idées, les vôtres, qu'on attend avec impatience. Voilà pour cette cinquième année. Alors, j'ai une question, donc, Thibaut, qui dit, donc, un bac plus 5 est obligatoire. Alors, je vais te laisser peut-être la réponse. Alors, tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. Donc, je pense que oui, parce qu'on a parlé de base, de théorie, mais aussi de base marketing et communication. Ça, c'est essentiel parce que je répète que l'événementiel n'est qu'une de techniques, des nombreuses techniques de communication. Et les 2 dernières années vont vous permettre de vous spécialiser en stratégie de communication événementielle. Donc, oui, vraiment, oui. Moi, je pense aussi avec notamment toute l'évolution des nouvelles compétences, des nouveaux métiers. Bac plus 5, c'est quand même la norme dans cet univers et acquérir un maximum d'expérience. Question également. Et le stage. Parce qu'au bout des 5 ans, Sébastien ? Ça fait 20 mois à peu près d'expérience en entreprise, déjà sur le deuxième cycle. Donc, c'est vrai que c'est très, très important de ne pas se priver de cette expérience terrain. Question de Maxime, c'est quoi un MBA ? C'est tout simplement en fait, le parcours Bac plus 5. C'est un Bac plus 5 aujourd'hui, c'est l'intitulé de nos diplômes. Et j'ai une question aussi de Gaël, comme ça on aura fini avec ces premières questions. Est-il possible de se réorienter dans l'événementiel avec un DUT carrière sociale ? J'ai envie de vous dire oui. Après, sur le niveau d'intégration, en effet, il faudra qu'on voit les prérequis, voir si vous avez une expérience significative ou non dans ce domaine, qui pourrait être extrascolaire également. Donc, le niveau d'intégration à définir, n'hésitez pas de passer un petit coup de fil à Constance, dont le numéro s'affiche régulièrement dans cette présentation. Elle pourra affiner votre question. Donc, vous l'aurez vu, en tout cas, j'espère que vous l'aurez vu, c'est un univers qui est passionnant, des métiers qui sont captivants. Donc, je rappelle le numéro aussi, peut-être pour Gaël, de Constance, 06 45 28 01 79. J'ai souhaité ensuite qu'on aborde certains aspects métiers. Il nous reste 10 minutes de présentation et aussi de mettre en avant les questions qui nous sont régulièrement posées quand on s'intéresse à l'événementiel. Alors, l'événementiel, 3 exemples de métiers et 3 réponses d'une professionnelle. Alors, Jamila, finalement, un chef de projet événementiel, qu'est-ce que c'est ? Alors, en un mot, c'est un maître d'œuvre. C'est la personne qui va prendre le briefing de l'annonceur, qui va lui demander pourquoi voulez-vous
faire un événementiel. Je donne un exemple, parce que c'est l'anniversaire de mon entreprise. Mon entreprise a 50 ans, donc je voudrais réunir mes clients, mais aussi mes prestataires, mes fournisseurs et bien entendu mon personnel. Et donc, vous prenez l'ensemble du briefing et sur la base de ce briefing, donc en événementiel, c'est comme en communication, on pose beaucoup de questions pour aller jusqu'au bout et avoir tous les éléments. Et en fonction de tous ces éléments, on va bâtir donc ce qu'on appelle une stratégie de communication événementielle, choisir le lieu, l'endroit, la date, et puis l'idée créative, le concept de base, ce que j'appelle, il faut que ça ait du sens, un événement. Donc, ce que j'appelle le pitch. Donc, ça va être le travail du chef de projet événementiel qui ensuite va travailler avec d'autres personnes dont on va parler maintenant, je pense. Avec, pour le voir, un responsable production événementielle. Oui, parce que le responsable production, ça va être la personne plus opérationnelle. Ça va être la personne qui va s'occuper de la partie, par exemple, technique, qui va faire en sorte que tout fonctionne bien. Je vous donne un exemple encore sur un séminaire, qui est un exemple d'événementiel interne. Organiser un séminaire, bien entendu, il va falloir raconter l'histoire, mettre les choses en place. Et après, il va falloir que tout fonctionne, les caméras, les micros, etc. Donc là, ça va être vraiment le travail du responsable de production, c'est celui qui va produire. Et la dernière raison, responsable des relations presse. Oui, alors responsable des relations presse, ça fait partie des métiers globaux de la presse et des relations publiques. Donc c'est une personne qui va, qu'on appelle généralement attaché presse, et qui va être en contact avec notamment les médias, les journalistes des médias, pour véhiculer une image d'une marque, d'un produit, etc. et espérer en retour un maximum de retours médiatiques via les médias classiques, presse, télé, radio, etc. Mais aussi, bien entendu, encore une fois, le digital avec les influenceurs. Relation presse incontournable quand on veut promouvoir, bien sûr, un événement, les retombées. Et oui, il faut qu'on en parle. Encore une fois, créer un événement, ça a un objectif, c'est de créer le buzz. Donc, il faut qu'il y ait des retombées, parce que s'il n'y a pas de retombées, ça ne sert pas à grand-chose. Exactement. Alors, question. Je suis passionné de sport, de culture ou autre, donc un passionné par un univers en question ou de mode. Est-ce qu'il faut forcément faire une école et une formation ultra spécialisée tout de suite, ou est-ce qu'on peut plutôt utiliser cette passion au cadre d'une formation comme l'ICEL, un peu plus générale autour de ces univers-là? Et sinon, comment bonifier finalement cette passion dans son parcours? Alors, je dis toujours, si vous avez la chance de faire de votre passion votre métier, c'est génial. Et on y arrive avec ces nouvelles générations, vous, c'est-à-dire la nouvelle génération de plus en plus. Maintenant, il ne faut jamais se fermer. C'est-à-dire que vous avez l'image d'un entonnoir. Quand on se spécialise trop, c'est-à-dire j'aime le sport, donc je vais faire de l'événementiel dans le sport, je trouve que c'est arrivé par le petit bout d'entonnoir. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, c'est en tout cas mon avis. Il vaut mieux avoir quelque chose de très ouvert, pouvoir avoir toutes les qualités, les connaissances et l'expertise pour pouvoir faire un métier dans l'événementiel. Et puis ensuite, pourquoi pas proposer vos services, ça sera plus simple pour vous si vous avez une passion dans le sport, pour le sport, dans un univers sportif. Mais commencez d'abord par voir beaucoup plus large, parce que finalement, l'événementiel, il y en a de partout. Voilà. Et ne ciblez pas trop serré, parce que c'est dommage, vous allez complètement vous fermer d'autres domaines qui peuvent être aussi passionnants. La preuve en est, c'est que si moi j'ai choisi ces métiers de communication et le métier de la communication, c'est justement parce que ça me permet de travailler sur des univers très différents et de ne jamais faire la même chose tous les jours. Donc c'est ça qui est passionnant. Donc autant entrer par toutes les portes plutôt que par une porte plus restreinte. C'est une bonne remarque. Il nous reste 6 minutes pour parler de l'événementiel. Alors, un petit peu, l'événementiel est un secteur qui fait souvent rêver, mais c'est sont également des métiers qui sont très exigeants. Que faut-il savoir avant de se lancer finalement pleinement dans ces études? Alors, que faut-il savoir? Déjà, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute des dons d'organisation, vous aimez créer des événements, organiser des événements. Alors, c'est pas que l'événementiel, c'est pas que l'organisation. C'est aussi, je dirais, encore une fois, le concept, c'est-à-dire l'idée. Il faut que votre événement, il ait du sens. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Donc, ça nécessite des qualités qui sont des qualités de créativité, bien sûr. Mais aussi, il faut savoir qu'en événementiel, on a un peu les mains dans le cambouis. Et souvent, les mains dans le cambouis. Exemple, vous avez un événement, généralement, on s'y prend 6 mois, 1 an à l'avance.
et au mois de juillet l'année prochaine. Et là, et ben, vous vous dites, ah super, je veux faire un super événement, garden party par exemple, je vous dis n'importe quoi, etc. Le seul truc, c'est que je ne sais pas quel temps il va faire au mois de juillet, même si on est au mois de juillet, il peut y avoir des gros orages. Donc l'événementiel, c'est ça, c'est tout anticipé, c'est vraiment par rapport par exemple à la météo, se dire, bon, ben, je vais me dire une chose, ce jour-là, il va pleuvoir. Et ça, ça va vous permettre justement de pallier à ces problèmes de météo, par exemple. Donc, ouais, c'est un métier exigeant dans le sens où vous avez un budget à respecter, vous avez des contraintes techniques, vous avez un cadre juridique. Par exemple, on ne fait pas n'importe quoi sur une place, dans une ville. Encore faut-il avoir des autorisations, tout ce qui est secours, etc. Donc, il y a tout un cadre juridique autour de ça. Donc, c'est un métier passionnant. Alors, ça, c'est évident pour moi, mais en même temps, très exigeant. Quelles sont les qualités et compétences nécessaires pour travailler dans l'événementiel très rapidement, Jamila ? Les qualités, créativité, ouverture d'esprit, curiosité, anticipation, organisation. Il faut être absolument rigoureux. Donc, tout ce qui est lié en fait à la communication. Mais dans l'événementiel, encore plus, parce que si vous répétez toujours le même événement, ce n'est pas drôle. Donc, autant être créatif au sens idée. Faut-il avoir peur de se lancer dans l'événementiel dans ce contexte de crise sanitaire ? Alors, non, parce qu'on est déjà en train de se projeter d'abord. Alors, effectivement, ça a été très dur pour nous, mais finalement, ça nous a obligés encore une fois à devenir encore plus créatifs et à imaginer des types d'événements. Transformer les métiers. Et ça a transformé le métier. Et on en fait de plus en plus aujourd'hui. J'ai beaucoup d'événements encore qui ne se situent pas en physique, en présentiel, mais on arrive à faire des choses très, très drôles. Un dernier conseil ? Ben, croyez en vous, déjà. Et puis, si l'événementiel, c'est votre passion, continuez. Tenez bon, parce que c'est vraiment un métier fabuleux qui, encore une fois, vous promet d'être toujours, toujours, toujours en anticipation et d'être toujours en quête d'idées. Donc, ça ouvre l'esprit. Ça permet de rester hyper dynamique et hyper plein d'énergie, donc hyper jeune. Ça donne vraiment envie. Il reste 2 minutes 30. On m'a posé des questions sur les admissions et les conditions. On y arrive tout de suite. Donc, pour intégrer l'ISEG, plusieurs modes. Déjà, l'intégration en première année, il vous suffit d'aller sur notre site iseg.fr et de remplir les informations qui vous sont demandées. En quelques minutes, vous pouvez déposer votre candidature. Les frais de candidature sont de 80 €. Et vous serez convoqué pour passer le concours d'entrée en première année avec les épreuves que vous avez sous les yeux, actualité culturelle et sociale, anglais, créativité, expression écrite et un entretien de motivation déterminant pour savoir qui vous êtes et qui débute par sur un tel de 3 minutes pour convaincre, 3 minutes où vous aurez la libre antenne pour nous présenter un sujet qui vous passionne, venir avec un support numérique, un objet, tout ce que vous voulez, on veut rentrer dans votre univers pour après enchaîner sur un entretien classique. On a un certain nombre de places, hein, là vous avez le nombre de places sur le campus de Lyon. Et en admission parallèle, même topo avec des épreuves, une épreuve d'études de cas en Marcom, une épreuve de business English, une épreuve d'expression écrite et un entretien également de motivation. Les prochains concours, là vous avez également les dates lyonnaises, mais vous avez toutes les dates de tous les ISEG de France sur notre site iseg.fr. N'hésitez pas à aller voir le campus qui vous intéresse. Je vous rappelle qu'on est présent à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, donc Nantes, Strasbourg et Toulouse. Choisissez l'école en fonction de votre zone géographique, mais aussi en fonction de votre envie. Pourquoi pas envie de bouger. Voilà, en tout cas, nous, on se fera un plaisir de vous accueillir sur notre beau campus de Lyon. Il nous reste 30 secondes. Les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à les poser à Constance et Eugénie également. Je n'ai pas oublié qui est sur le stand ISEG à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je pourrais voir ? Déjà fait une licence en anglais LSE. Oui, alors on accepte tout type de parcours. Après, on va affiner avec vous le niveau d'intégration en fonction de vos compétences, hein, quels que soient les univers que vous avez fréquentés avant et vos objectifs aujourd'hui de formation dans l'événementiel. Il nous reste 10 secondes pour vous souhaiter un très bon salon Studirama et rendez-vous aux journées portes ouvertes à l'ISEG, notamment à Lyon, le 27 mars. Très bonne soirée à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.